Une comparaison qui ne passe pas pour Benjamin Castaldi. Jeudi 6 mai, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs recevaient dans Touche pas à mon poste Soassi Galin, militante pour la protection des animaux. Pour animer le débat « Faut-il interdire les abattoirs ?» a été diffusé durant l'émission des images tournées par l'association L214 dans l'abattoir de Briec, Finistère, où l'on voit des truies élevées dans des conditions déplorables, et où elles sont électrocutées, frappées et torturées. Des images insoutenables, qui ont inspiré à l'activiste une comparaison entre l'abattage des animaux et la Shoah, ainsi que les abattoirs au camp d'extermination de Treblinka. Faut-il interdire un génocide industriel? Est-ce que se poser la question ce n'est pas déjà être complice du plus grand crime de masse de tous les temps? Faut-il moderniser Treblinka? Je vous pose la question, a-t-elle ainsi lâché, choquant au passage les chroniqueurs de TPMP, et surtout, Benjamin Castaldi. Je suis évidemment contre tout ce qui fait souffrir un animal, mais comparer ça à Treblinka, avec un génocide. Franchement, vous vous tirez une balle dans le pied, a rétorqué le chroniqueur installé à côté d'elle, qui a menacé de sortir. Quand j'entends ça, je vous le dis du fond du cœur avec ce que je sais et ce que j'ai vécu, j'ai envie de quitter le plateau, a-t-il ajouté. Benjamin Castaldi crie à la honte tandis que Cyril Hanouna tentait de retenir son chroniqueur très remonté contre Soassi Galin. Benjamin Castaldi lui, n'a pas mâché ses mots pour exprimer le fond de sa pensée. Comparer Treblinka et les animaux, ça me donne envie de vomir quand j'entends ça, si y est-y une honte dire ça. Si y est-y une honte. 6 millions de personnes déportées, vous comparez ça à un animal, s'est-il indigné, tandis que la militante de la cause animale l'a accusé d'insulter la mémoire des personnes humaines qui ont subi la Shoah puisque ce sont elles qui font le comparatif. C'est pour ça qu'Israël est à la pointe de la lutte animaliste, parce que les survivants en sortant des camps, ont dit que c'était la même chose. Ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est-elle justifiée.